on repère les candidats sur le flux des demandeurs d'emploi jusqu'à ce qu'effectivement l'employeur ait atteint ses objectifs de recrutement. Juste une toute petite synthèse, je vous prie. Donc, moi, ce que je note, c'est que le marché de l'emploi est, outre les conjonctures difficiles marquées par Jean-Pierre Revoil tout à l'heure, est rendu difficile par le problème de la qualification qui commence à s'accroître d'une façon générale pour chacun des travailleurs dans l'ensemble de la société. Et donc, c'est plus difficile de se qualifier. Pour les personnes qui ont un handicap, et bien évidemment, cette qualification est encore plus dure. Ça veut dire qu'il faut essayer de construire de la motivation pour les personnes handicapées. Il faut se dire que parmi elles, il y a la même chose que parmi tous les autres types de personnes dans toute la société. Il y en a qui sont très motivées, très compétentes, et d'autres pas motivées, pas compétentes. Et il faut reconnaître ça, et il faut travailler avec ça, et il faut aussi leur dire à ceux qui ne sont pas motivés, écoute, si tu ne fais pas ta part, on ne peut pas tout faire à ta place. Certes, travailler à la qualification, on a parlé de certaines aides, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est en termes de coordination, certains ont donné des éléments de méthode de coordination, etc. Et on voit qu'il est proposé d'aller encore plus loin pour essayer de renforcer la capacité à anticiper pour inventer des solutions nouvelles. Si je peux me permettre de faire ce travail, je pense qu'il y a des études très importantes qui concernent les travailleurs handicapés, mais tous les salariés, éviter le décrochage de ceux qu'on appelle malheureusement maintenant les travailleurs pauvres. Ceux qui travaillent, qui gagnent peu et mal leur vie, et qui la gagnent en peu et mal, décroche du système social. Et là, il y a, dans une situation qui, malheureusement, a fait ce qui est attiré, quand la crise ne sera pas évacuée dans les années qui viennent, il faut rappeler quand même que le Japon est entré en crise en 90, que nous sommes en 2009, et que le Japon n'est pas sorti de la crise, quoi qu'on en dise. C'est bien ça. On est dans la durée. Juste une dernière phrase, c'est bien d'un modèle de société. Bien sûr, il s'agit. Quelle place donnons-nous aux personnes les plus défavorisées, et quelle place, quelles aides leur apportons-nous puissent faire leur place dans la société. C'est une très grande question de société. Merci, M. Chantaro. Merci pour ces explications. Merci de vos questions, mesdames et messieurs.